ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، nous pouvons aujourd'hui avec titre comment un couple pour éviter problème entre jeunes cœurs. En vérité, quand nous mettons comment un couple pour éviter problème entre jeunes cœurs, nous devons plutôt pour expliquer comment un couple pour éviter un pire problème entre jeunes. Parce que le problème entre un couple, entre un monsieur et une madame, ça c'est une chose qui est inévitable. C'est une chose qui est inévitable pour analyser à quelque chose qu'un monsieur légal, un certain clash avec son madame, ou bien une madame n'est pas satisfait avec certains comportements ou caractères de ce monsieur. Ça c'est une chose qui est et la vie dans tout couple, une personne qui est capable de dire que moi et mon madame nous vivons d'une façon qui jamais nous gagne un problème. Ça, c'est une chose qui n'est pas existe, surtout qui les confirmer que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui, il y a un certain petit problème qu'il a gagné avec ce madame. Alors, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce madame finit arriver, gagne certains petits problèmes, alors définitivement, nous qui devons vivre avec madame, définitivement, nous devons être pour nous en face de la situation que nous devons gagner un problème avec nous, madame, peut-être un problème avec nous. Alors, en tant que musulmans, définitivement, l'islam, c'est un dîme qui est riche, l'islam, c'est un dîme qui enseigne nous toutes les choses, jusqu'à concernant un dimanche. Il y a le verso besoin, comment les couper ce besoin, comment les couper les pieds, ça aussi l'islam vient enseigner. Alors définitivement, l'islam vient bizarre enseigner nous comment un couple pour vivre, et il vient bizarre aussi enseigner nous comment un couple évite problème entre eux, évite en pire problème entre eux. Alors nous disons aujourd'hui, pas exactement. Comment un couple pour vivre, ça, nous avons déjà été pris dans la leçon, comment un monsieur agit envers ce madame, comment un madame les agir envers ce monsieur, ça c'est ma leçon qui nous les a fait. Alors, nous explications aujourd'hui, c'est qui va nous aider qu'un monsieur vient faire afin qu'il n'y ait pas un problème avec ce madame, ou bien afin qu'il n'y ait pas un pire problème avec ce madame. Et même ça fait, qui va nous aider à une madame qui s'est fait, pour qu'il n'y ait pas de clash avec son monsieur, et il n'a pas pire problème qui finira entre lui et son monsieur. En vérité, l'explication pour la Lyon, nous ne pouvons pas terminer à son titre, et il y a trois parties. Premièrement, qui va nous aider à chacun des affaires qui est monsieur et madame. Deuxièmement, qui va nous aider qui monsieur a des affaires de son corps. Et troisièmement, qui va nous aider, madame la vice-présidente, de ce port. Alors, nous pouvons essayer de cette première partie-là, et ça aussi, il n'est pas possible dans le Coran, dans le Hadith, plutôt que les combats de conseil, et dans l'avenir, nous pouvons lire une leçon plus complète avec ce trois parties.
et sur un ayat du Coran et sur un hadith ensemble, Inch'Allah. Alors, pour aujourd'hui, Inch'Allah, l'explication c'est un monsieur, une madame de vivre qui va nous aider tous les liens des affaires afin qu'ils ne peuvent pas gagner de problème entre eux. C'est-à-dire, à la fin de sa présentation, Michel Avocat, ce qui vous dit oui, ce qui vous dit que je vais parler de ce madame, que t'en là. Même sa mère, madame, Michel Avocat, quand je rentre à casa, je vais dire oui, que t'en là qu'il vous dit. Non. Ce qui me pose pour tous les deux, qui est Michel, qui est madame, tous les deux, ils ont fait un certain effort. Tous les deux, ils ont fait un certain effort. Inch'Allah, dans l'avenir, quand nous pouvons faire un programme là, avec ce même détail, là, nous pourrons donner déjà un courage parti. C'est pour qu'un Michel des affaires, c'est pour qu'une madame des affaires. Alors, pour le premier, c'est pour qu'un couple des affaires, qu'il y ait un monsieur, qu'il y ait une madame, pour ne pas avoir un problème dans, entre les autres, c'est une chose qui est reliée directement avec mon aqida. Une chose qui est reliée directement avec mon aqida, qui bien-être, tranquillité, bonheur, tout ça là, il trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça là, il trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui donne sa petite chose là, c'est lui qui accorde ça à celui qui lui voulait comme un faveur de ce corps. C'est-à-dire, un couple vit bien, un monsieur peut vivre avec son madame, un madame peut vivre avec son monsieur, d'une façon qui, chacun peut satisfaire avec son camarade, chacun peut compter dans son camarade et chacun peut vivre d'une façon qui paie la problème entre eux. En vérité, ça c'est un faveur à Allah. En vérité, ça c'est un faveur à Allah. Alors, dans ça, nous comprenons, même qui grand matin tantôt reste la guerre, toutes ces affaires, problèmes, toutes ces affaires pas là, en vérité, je ne peux pas réaliser que je te prive eux-mêmes de faveur à Allah. Je ne peux pas réaliser qui je te prive eux-mêmes de faveur à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'un dimanche, quand il est tranquille dans son case, comment on connaît bien Khadija radiallahu anha, comme madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas une plus grande caractéristique qui venait là dans lui, qui lui reconnu pour ça, qui s'arrête considéré comme son contribution dans l'avancement des dîmes islam, ce qu'il dit, c'est le fin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une certaine tranquillité dans son case, dans son la vie. Le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il devait faire face à les mondes qui wild envers lui, les mondes qui hostiles envers lui, les mondes qui tout est opposé lui. C'est dans son case qu'il fait bien un certain support pour qu'il est capable à compter en Dieu. C'est-à-dire, vivre bien dans la case. Ou vivre bien avec vous, madame, ou madame vit bien avec vous. Ou cause bien avec vous, madame, ou madame cause bien avec vous. Ou badiner avec vous, madame, ou madame badiner avec vous. Nous vivons comme camarades. C'est une femme qui est en train de se prendre. C'est-à-dire, c'est un petit esprit qui se compte pour la guerre. Je suis content pour la guerre, toutes ces affaires, la guerre de Michel, la guerre de madame, la guerre de Michel, la guerre de madame. Finalement, mais c'est un avis que nous vivons en guerre qui peut là, qui peut là tranquille. Alors, nous dire, un bon premier effort qui nous a fait pour qu'il ne vive problème entre nous, c'est nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour faire Allah ta'ala satisfait avec nous pour qu'il ne nous a pas bien là. Pour qu'il vive sa faveur là, alors nous dire, nous visons vise faire Allah satisfait avec nous. Vise plaisir Allah. Vise pour qu'Allah compte en nous quand Allah est satisfait avec nous. Les pays comptent en nous, les pouvaient se quitter, les pouvaient se parler à nous. Les pouvaient se parler à nous. Quand les pouvaient se parler à nous, nous pouvons vivre bien, nous pouvons éviter problème entre nous. Le premier point, c'est de dire, reste loin de tout ce qu'il appelle haram. Reste loin de tout ce qu'il appelle haram. Et ça, dans la discussion que nous faisons, chaque petit péché qu'il nous fait, il y en a son répercussion, il y en a son mauvais conséquent. De la même façon, chaque bon action qu'il nous fait, il y en a son bon résultat, il y en a son profit qu'il y a pour nous. Un dimanche, quand il fait un péché, ça gâte sur la santé. Un dimanche, quand il fait un péché, ça gâte sur la relation entière avec son madame. Un dimanche, quand il fait un péché, ça gâte sur la relation entière avec un dimanche. Peut-être d'une différente façon, un dimanche, quand il fait un péché,
les subit en conséquence à péché-là. Dans différentes façons, les subit en conséquence à péché-là. Et alors, elle voit les mêmes façons. Il y a une couple capable de briser, subir en conséquence de péché. Ce qui était, quand je peux faire péché, Allah qui enlève entre eux ce qu'il appelle tranquillité. Ce qu'il appelle tranquille. Allez vous dire, on vit bien avec vous, madame, avant tout pense pour vivre bien avec Allah. On vit bien avec vous, Michel, avant tout pense pour vivre bien avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous ne pouvez pas même dire que vous avez la dans la vie. Pena que la otro coral da la vida, penas, upape, penas el capel evit haram, penas el capel respuesta de haram, tu, un plonge de haram, pero respuesta de van o van obligación, ensuite, pour gagner, pour gagner, fadi Allah. Ensuite, on peut trouver, on peut une solution, comment pour résoudre le problème en vrai pour madame. Un problème, une première solution, c'est redresse pour relation avec moi. Redresse pour relation avec mon créateur. Faire ou ce créateur satisfait avec vous, quand l'un satisfait avec vous, les vous avez tranquillité dans vous la vie. Donc, ça c'est le premier point. Comment un couple peut éviter le problème entre eux, tous les deux, faire ibadat Allah. Tous les deux, restreindre les haram, quand on peut faire un ibadat, accomplir une obligation, mais restreindre les haram, Allah vous donne vous ce qui appelle tranquillité dans vous la vie. Un deuxième question, c'est qu'il est. Faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dua en vérité, c'est un peu plus grand homme qui est là. Un peu plus grand homme qui est là pour résoudre le problème et qui, beaucoup de monde, se fait face à beaucoup de problèmes, se trouve toute qualité de solution et qui parle de la première solution qui devant eux, je ignore ça, ce n'a pas retour vers ça. Les blâmes vers toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment même un problème sorcellerie? Un problème sorcellerie, comment une personne est touchée par ce problème-là? Il pense X, il pense Y, il pense bizarre vers ça, il pense bizarre vers ça. Mais les premières questions, demande à Allah ta'ala la santé, demande à Allah ta'ala protection contre ça, demande à Allah ta'ala guérison contre. Comme ça, et la manière spécifique, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il descend les millions de septièmes de chine, il rapproche avec ma créature, il peut te demander, vous donner. On peut faire face au problème en tout, Michel, madame, on dépense solution, on dépense, pas à ce recours, à stress, à fatiguer la tête, à l'autre, ça va même se retrouver du problème. Elle dit, moi, il y a un problème avec ce madame. Il y a 6 et 2 sofa. Oui, il y a un problème pour madame. Il y a un problème pour madame. Il y a un problème pour madame. Mais madame, il y a un problème avec moi, avec ce monsieur. Il prend ça, quand il prend ça, le haut sur la tête. Oui, il y a un problème pour monsieur. Qui s'en fout? Il n'a pas sens dans rien. Alors, à 6 et avec tracas, il n'a pas sens dans rien. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Lève à mon fajar. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou Allah, fais-moi un problème avec mon monsieur. Ou Allah, fais-moi un problème avec mon madame. Et en vérité, ma frère, cette explication-là, il est extrêmement important et peut-être, si quelqu'un parmi nous va nous dire important, il y a un conseil en vérité. Si, par exemple, parmi nous, nous écoutons cette explication-là, nous va nous oublier trop important, c'est un conseil. Mais qu'on est qui est dans beaucoup de monde, vous capable d'oublier, comment vous pouvez dire ça, c'est un magique quand vous avez dit que vous sont là. Et dans le 30 bananes, de vivre, venir me bopper à belle-mère, c'est qui veut dire moi? Ils ont capé des coups de haut pour moi, nous causer, nous rire, mais c'est moi dans la case, nous pas vivre comme ça, nous. Dans la case, nous pas vivre comme ça, nous. Veut dire, et dans beaucoup de monde, si on pouvait être avec ce madame en haut, la main dans la main, pour qu'il y ait un bonhomme, pour le vendre, il n'y a qu'à Christ. Mais ça même, du monde là, quand on est venu dans la case, quand Michel dans l'ordre, lui, madame là dans South, quand elle là dans East, là dans West. Bien un dialogue, bien un mohabbat. On va dire tout ça dans le hadith qui dit musulman frère, tout musulman frère, musulman bien content son frère, musulman bien la pitié dans son frère. On va dire ça c'est pas le frère musulman d'Amazdi. Est-ce qu'il ou madame il va où c'est musulman? Est-ce qu'il ou madame il va où c'est musulman? Alors tout ça dans le hadith qui va vivre comme frère, content au frère, souhaite du bien pour frère, et gagne pitié au frère, la pitié dit. Il y a un petit gros à madame là, il y a un petit gros à madame là,
Mais il y a tous ces hadiths qui nous enseignent en tant que musulmans. Nous disons qu'on vive avec nos frères musulmans. Vive avec nos frères musulmans. On ne dit pas vive avec Badjiboul ou Larry, vive avec Badjiboul dans ma zé. Non, commence pas dans la case. Vive avec vos madames ou chers musulmans. Ou chers musulmans, il y a imam pareil comme Mao. On dit qu'on vive avec lui. Donc, lève la main pour ce qu'il veut dire, le plus possible, et n'a pas fait trop oublier. Il n'y a pas trop autant, ça prend quand même important dans le sens qu'il y a un du même bagage pour le soir là. Mais il y a un monde qui tous les jours, chaque semaine, mais il y a chaque mois. Pour dire que je vais vivre bien là, je vais bien. Attends, un peu de gens, quel est le problème de vivre là? Je vais vivre bien là, mais c'est pas avec un affaire. Et le problème, on vit encore là. Je ne suis pas capable de sortir de mon problème chaque semaine, chaque des semaines. Bonhomme là, vous avez des petites choses, madame là, vous avez des petites choses, ça n'est pas plus clé, le gars plus que ça là. Et problème là, vous éclatez, vous voyez la vie là, pour roule comme ça même, chaque semaine, chaque des semaines, chaque mois, c'est une vie bien, un mois sans problème là. Vous voyez, le fait que vous avez un récit, vivre un mois sans problème, alors ça, c'est pas une façon de vivre, que le point pour qu'on ait tranquillité dans mon avis. Alors, une bonne façon de résoudre le problème, c'est l'évigant maternel. Si vous faites face à gros problème avec ce péché, et il n'y a pas de madame. Faire face à gros problème avec ce péché, il n'y a pas de péché. Faire face à gros problème avec cette madame, elle nous dire. Pour éviter ça, le problème là, pour résoudre ça, le problème là, lève la main avec Allah, lève la main avec Allah, allez dans sa vie, fais-le avec Allah, demande à Allah pour Allah résoudre le problème, pour Allah faire nous vivre bien. C'est un peu une façon de résoudre le problème entre nous retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième question, c'est apprendre où devoir ce droit. Apprendre où devoir ce droit. Et rien qui beaucoup de monde vient se guider, il y a pas de guider, il y a pas ce droit, et il y a pas de place, le place du droit. Non. Et là, il y a du bon, il n'y a pas de tout, mais c'est pas quelque chose qui est au bizarre. Surtout quand on peut faire face à certains problèmes, à apprendre où devoir, où est ce droit. Déjà, madame là, vous avez un problème avec le comité. Elle répond, moi en tant que madame, qui va me devoir et là le moins envers mon chien. Et qui, mon chien, qui va me. Qui va me quitter son, ce va une responsabilité qui va me mener envers lui. Qui va me droit qui lie et là le moins. Même la veille, un chien a un problème avec ce madame. Alors, Michel là, il est bizarre, il dit. Elle révise un coup, mais moi en tant que monsieur, en tant que homme dans la cage, qui va devoir envers sa madame là? Qui va devoir envers sa madame là? Et sa madame qui dans la cage là, qui se doit au moins? Qui vient nous commencer dans la façon là qu'elle a un problème, c'est avec quel démon les gros, les capables, il ne faudrait pas nous acquise le quand peut-être nous-mêmes qui? Nous-mêmes qui entourent. Quand nous-mêmes nous entourons parce qu'il. Un monsieur qui n'est pas fait ce devoir envers ce madame. Une madame qui n'est pas fait ce devoir envers ce monsieur, il est manqué dans ce devoir avec un manque ou des manques pour porter dans le devoir envers lui, dans ce droit, le haut, ça c'est pas une petite chose qui a un problème. Ça c'est pas une petite chose quand même. Il y a un problème, il y a quand on révise qui veut devoir. Qui peut devoir envers lui ou capable à conquérir oui, la vérité, mon façon de poser la parole. On va trouver oui, la vérité et tous les jours, on rentre la case, 11 à minuit, faisait domino, l'olari, ou bien même la guerre avec camarades, il y a des rires de mon corps parce que mon madame se droit ça la nuit pour rester dans la case. Alors quand on va le révise pour devoir, pour capable à conquérir oui, pour répondre à certains taux. Oui, là, un certain taux, quand un djimon réalise ce taux, il corrige ce taux. Vous avez raison. Un djimon, il réalise ce taux, il corrige ce taux. Vous comprenez? Et résout. Alors, il y a beaucoup de djimon, et ça, enfin, c'est ce concernant, monsieur, madame, même concernant, et l'autorité. Beaucoup de djimon, quand se cause l'autorité, qui se cause plutôt que lui? Qui nous doit avec sa autorité là?
bien checker une cause qui dit qui nous devoir envie à sa retour. Alors, ça c'est une façon que Dimon se sauver avec ce taux. Non, si on veut connaître le taux, et nous devoir et ce droit. Alors, pour résoudre le problème, pour éviter le problème, pour n'a pas rempli le problème entre Michel et Madame, elle apprend. Apprendre qui vous devoir et qui sauve ce droit. Et comme ça m'a dit, c'est faux qui vous a fait, c'est faudrait pas un dimon lui réagir dans la colère. Faudrait pas un dimon lui réagir dans la colère, lui dire quelque chose, ou bien lui prendre une décision, ou bien n'importe quelque chose dans la colère. Et là, trop quoi le Coran, trop quoi Hadith qui finirait du monde. C'est qu'il appelle colère. Qu'est-ce qu'il y a dans l'islam, il empêche un juge qui dit. Il empêche un juge à contre un jugement s'il y a une certaine colère dans lui. Mais là, c'est par exemple, s'il y a un problème avec son madame, sur la tête d'un vaisseau, les bébés dans la cour pour résoudre le problème, je vous dis, vous verrez. Sans problème dans la cage, vous pouvez ça ici. Là. Alors, l'islam qui dit, et il y a si toi, Ziz, tu es un peu dans, on va dire, un peu salé, un petit peu colère, pas une Ziz en Timon, pas une bonne Ziz, pas une bonne Timon qui pense qui ça la tête là, quand ça, il n'y a pas fonctionné normal. Il n'y a pas fonctionné normal. Alors ça, c'est réel. Tout Timon, nous tout condamnés là-dedans, un Michel qui est en colère, il est en colère avec son madame. Mais un Michel qui n'est pas arrivé en colère avec son madame. Mais il y a une madame qui n'est pas arrivée en colère avec son Michel. Mais si dans un moment qu'on est en colère à la vie, on finit à le dire à lui qu'il sauve. Ou bien on finit à le prendre cette décision. On n'a pas pour faire ça, c'est-à-dire, on n'a pas pour aller là-bas, on n'a pas pour faire ça. On finit à dire ça. Alors ça, c'est pas quelque chose qui gâte, qui empire la situation. L'islam, il enseigne nous pour qu'on comprenne comme un intelligent. Il y a un problème. Pour éviter ce problème-là. Pour résoudre sa problème là, pour n'a pas empire sa problème là, moment qui pour en colère, qui est Michel, qui est madame, ferme la bouche. Et ça c'est rien, tous les deux là, tous les deux qui sont en colère là, pour être une évidence, ça ne l'a proposé, le t'a proposé, ça ne l'a proposé, le t'a proposé, mais l'homme qui t'a donné un claque, pourquoi il nous redit. Parfois, il nous redit qu'il fait, parce qu'il y a une cause, des miettes en Italie même. Si tu sais ce qu'il y a sur la bouche, mais pas tu peux arriver jusqu'à là-bas. Pas tu peux arriver jusqu'à là-bas, si un madame ferme sur la bouche, si un niché ferme sur la bouche, mais pas tu peux aller jusqu'à Talak, pas tu peux aller jusqu'à Bobby avec le mien, mais vis-à-vis, mais vis-à-vis, prendre un taxi, mais vis-à-vis, valise, tout ça là. Ça, c'est pas quelque chose qui. Pas d'histoire, réalité. Mais quand Vincent dit, quand Papa Len prend le lieu, il allait sortir déjà en bas pour la côte, déjà sur valise, puis attendre l'équipe sur valise, puis attendre sur Papa Len. Ça, c'est quelque chose qui nous connaît, nous témoigne. Alors, il ne faudrait pas nous vivre dans le monde qui nous réagir leur colère. Si on trouve au Michel Dien qui sauve, les vieux qui sauve, ou l'extrême en colère, on est en colère parce qu'on va satisfaire. Ok, on dit à lui, c'est qui te dit à lui pas bon, c'est qui te dit à lui pas bon, mais pas dans un moment qu'on est en colère. Quand il va faire, quand il va faire, même ça fait, si un Michel, les prouve ce madame, les Dien qui sauve, les vieux qui sauve, qui Michel n'a pas fait satisfait, et vous, ça, dans ce moment-là, Michel est en colère, quand il dit, maman, t'allez, quand tout est calmé un petit peu, il est là, à bord, ça se fait là. Alors, quand un dimon, il n'est pas réagi dans la colère, il peut éviter une gaffe, il peut éviter un problème. Mais, si vous allez en colère, il commence à poser, il vous ouvre, il vous maltraite, la même couleur, il vous l'enclame, pour arriver jusqu'à ce cas-là, il vient de vous dire donc. Dans un petit monde, il est dans son cadre, il est en colère. Il dit pas en colère. Mais la personne, dans le Coran, Allah Rabban ne nous pas en colère. Dans le Coran, Allah Rabban dit à nous, pas en colère. Dans le Coran, Allah Rabban dit à nous, on va arriver dans le vrai, ben, qui domine cette colère. Qui veut dire à domine cette colère? Colère, elle est venue nous faire une crase.
sabi, domine en colère. Mais tu es un sage, nous arrivons en colère. Mais tu es un sage, nous arrivons en colère à résoudre le problème, nous crasse à sa colère. Et comme ça même, c'est. Oui, c'est beau, la précaution qu'il vous a fait prendre. Pour éviter le problème, ce n'est pas accumulé pour éclater. N'a pas accumulé pour éclater. Je dis, un Michel, il trouve A, n'a pas bon, il reste tranquille. Il trouve B, n'a pas bon, il reste tranquille. Il trouve C, D, E, F, G, il reste tranquille. Ensuite, quand il arrive H, il vient, il éclate. Et quand il éclate là, il prend tout ce qui tient, depuis A jusqu'à H. Te dis bien ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? L'éclater d'une façon qui vient avec colère et l'éliminer en pire situation. Même ça fait, madame, ce Michel Depuisseau, il n'est pas content, il n'est pas satisfait. Il est gardé, il n'est pas dénommé, deuxième, troisième, quatrième. Quand ça vient arriver, 10 à se taire, il peut dire, d'une façon qui, quand on peut dire là, il n'est pas permis de solution. Qui le dit là? Pas accumuler pour éclater. Il y a un problème. On trouve une mission qui sauve. Une vienne qui sauve. Vous pas satisfait? Le bédier n'a pas dit à ce moment-là. Mais c'est pas dit à lui. Parce que dialogue est important. Dialogue est important. C'est ça même moyen qui nous évite la guerre. Bon, nous évite le problème, nous évite la guerre. Avec dialogue, combien la guerre finit éviter? Finit un dialogue, ok. Ça fait une reculée, ça fait une. Fin connaît qui se tient, les enfants. Alors, dans l'islam, il y a ce qu'il appelle le rappel, il y a ce qu'il appelle le conseil. Pour nous, Michel, bien qu'il soit, ou bien qu'il soit là-bas, ou soit un bon léa, un bon moment, ou d'y aller. Et même la paix, un deuxième qu'il soit, ou d'y aller, un troisième, ou d'y aller. Michel aussi, si les trois qui sont, ou bien les banques satisfaits avec les certains qui sont, si vous êtes madame Valérie, les trois sont madame, ils m'ont pris dans les certains qui sont, d'une bonne façon, d'un bon moment, ils y allent. Qui fait les y aller d'une bonne façon, parce que l'islam nous enseigne pour conseiller, l'islam nous enseigne pour rappeler nos frères, rappeler nos sœurs, nous pouvons conseiller, nous pouvons rappeler. Si nous ne pas conseiller, nous ne pas rappeler, nous pouvons accumuler, quand il y a des regards. Quand il éclate même, les LAM qui, pour une explosion, n'a pas été connu comment pour résoudre le problème. 10 bananes sur le problème, il peut lever, ou bien 4 bananes moyennes sur le problème, il peut lever. Alors ça, pour. Et il y a une pire situation, alors le dire, n'a pas accumulé pour éclater, mais à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une meilleure façon pour dire fini causé, fini résoudre, fini. Pas garder. Ensuite, quand il peut venir comme une explosion, il y a un problème qui empire. Les mêmes affaires, quand un dimoun, il n'a pas cause dans son colère, n'a pas, et quand il fait qu'il y a un problème, n'a pas cause à ce qu'il a même gardé un meilleur moment, alors parmi une façon qui résout le problème, c'est choisir un meilleur lien pour vous, pas vous laisser. Choisir un meilleur lien pour cause concernant un problème. Mais il y a un problème en échec, madame. Pas tout, il n'y a pas de lien ou mini ou cause à quelque chose là. Et dans ce lien qui, un dimanche, vous pouvez connaître, il est capable d'écouter, il est capable. Il n'y a pas de faire colère pour choisir ce lien là, pour cause avec lui. Mais déjà, pour éviter le problème, pour éviter en pire situation, nous devons choisir ou l'air pour éviter pour qui, pour cause avec mon monsieur ou bien avec mon madame. Bon, il y a une précaution en haut et ça, les gens de la montagne, c'est God pour l'amour vivant pour qui est dans l'affection. God pour l'amour vivant pour qui est dans l'affection. Donc, on a une cause concernant monsieur et madame. Les gens qui étaient, les mecs en jeté, Mawadda et Rahma. Mawadda et Rahma. Qui veut dire Mawadda? Mawadda veut dire l'amour, l'affection. Rahma veut dire pitié. Et bien, si on a une image de Allah subhanahu wa ta'ala, ça a deux mots là. Les deux mots, moi, il y a pris de rentrer là, ou bien c'est des mots qui Allah a mis
qui chacun est là et là. Il y a sur l'importance et le message pour les liens. Deuxièmement, Mawaddatan wa Rahma, l'amour et pitié. Qui est-ce qu'on pense? Allah, ça veut dire qu'on a un groupe et là, l'amour et pitié. L'amour et pitié. Qui veut dire ça? L'amour et pitié. C'est qui, quand on est content ou madame, on peut la pitié en lui. Quand on est content ou monsieur, on peut la pitié en lui. Quand on est content ou madame, on peut la pitié en lui. Est-ce qu'on peut le dire en lui? On va faire. Quand on est content ou monsieur, on va vous faire ouvrir la pitié, quand vous venez dans l'amour, et la pitié, on va la dominer. Même vous avez quand une chienne qui compte dans ce madame, ça l'amour là, il est suivi par Rahma, il est suivi par pitié, quand la pitié n'a pas pour la dominer. Donc, ne comprenez pas ça, c'est God l'amour vivant en prison. Peut-être une chienne, une madame, il ne faudrait pas nous faire juste quand tu fais te marier, mon compte à toi, ton compte à moi. Ensuite, peine à dire tout ce qu'on appelle le habat entre un monsieur et une madame. Peine à dire tout l'amour entre un monsieur et une madame. Alors ça, ce n'est pas une façon de vivre. Comment nous contrer bien? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on a posé une question, ô prophète, qui ça l'a oublié content? Qui ne répond? Qui ne répond? Madame Aïcha, à jour du jour, quand un monsieur est en là-haut, je vous contente, madame. Comme si, et tout ça, elle l'a honte pour dire, bon, content, mon madame. Et même, les gens posent les gens sont contents, fait le ballon d'un carré là, pour qu'il y ait une pierre rose, ou bien se mettre un chocolat rose, et là, chocolat rose aussi, je ne parle pas. Ça aussi, là, vous vous dites. Un chocolat rose, et dire, c'est une fausse l'amour. Ça, c'est pas une fausse l'amour. La vraie l'amour, c'est un monsieur qui compte dans son madame, une madame qui compte dans son monsieur. Madame, pose question, le mauvais. Oh, prophète, qui s'en a oublié content, il y a mon madame Aïcha. Mon madame Aïcha veut dire, oh, si on veut vivre avec mon madame, peine à l'amour, quand peine à l'amour, qui va pour là? Si peine à l'amour, qui va pour là? Quand on a pitié. Quand peine à pitié, qui va là? On a dominé là. Alors, le trou qui était, si vous voulez vivre bien avec vous, madame, si vous, madame, vous vivez bien avec vous, Michel, on fait de manière contente, Michel, même de manière contente, madame. Quand il a l'amour, vous voyez, il a pitié, quand il a pitié, il n'a pas pour la dominer, alors dans sa façon-là, il vit problème. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, l'île enseigne. Donc, qui façon nous habille envers le monsieur et le gars? Et puis, on va sur madame, elle, madame, les vivre envers ce monsieur et Allah subhanahu wa ta'ala, les lancer nous qui est en tant que vis-à-vis la mohabbat, vis-à-vis la pitié, alors si nous devons vivre d'une façon, une formalité, juste, je veux dire, rôle madame là, les couilles mancées, les bonnes liquidités, les larmes solaires, ou bien, Rol Michel, il y a un travail avec l'argent dans la case, à ce tout, ration, tous les guides, mais là, ça même tout, fait un amour entre les autres, pas de vivre avec un certain amour, alors c'est des djinns qui paient là-dedans, l'eau, la terre, Allah, à l'amour, à l'amour. Et, pas de même façon encore, comment éviter problème, éviter en pire problème, et ça, c'est derrière beaucoup de djinns, c'est à. Donc, il y a un problème au lié. Il y a résoudre le problème à des bonnes façons, prendre ce problème-là, elle commence à prendre un tel, ou bien un tel, ou bien un tel. Alors, elle lui dit il y a un problème avec son madame, il y a la raconte ça sur son frère, ou bien il y a la raconte ça sur son blessé, il y a la raconte sa voisine, ou bien, elle madame, il y a un problème avec ce fichier, il y a la raconte ça sur maman, il y a la raconte ça, si pas son belle-mère même, il y a la raconte ça, c'est pas son voisine, son cousin, mais ça, il n'y a pas ni libéré. Est-ce que ça peut résoudre le problème là? Ou bien bien alcoolé, ou bien bien alcoolé, voisine alcoolé, c'est pas beau frère alcoolé, l'autre alcoolé, l'autre alcoolé, vous pouvez le résoudre là? On ne peut pas résoudre là. Astère, si Michel a l'île à donner, ah, ton corps m'a causé avec ton maman. Ton corps m'a causé avec mon maman. Ton corps m'a causé avec mon belle-sœur. Ton corps m'a causé avec voisine. J'ai tout dit qu'à les sortir. Ça va, tu m'en dis.
La sœur voisine peut être dit que Marie a une mauvaise gémole. Là, elle ne peut plus sauver la vie. Elle ne peut plus en colère la vie parce qu'il tout le temps, voisine, tu peux respecter. La voisine a reconnu qu'il y a une bonne dans la case. Elle n'est pas fait content qu'il veut voisine comme ça. Est-ce qu'il y a un problème? Elle peut résoudre du campier. Du campier. Définitivement, du campier. Elle veut dire, oh, la vie, madame. Peine à vous mettre bénir là-dedans, peine à vous mettre maman, papa là-dedans, peine à vous mettre personne là-dedans. Résoudre vos problèmes entre vous. Parce qu'il peine à des gens qui plus proches que moi, Michel, et madame, moi je vais dire, ou pas dire maman, ou pas dire mon père, bénir, qui ça peut résoudre? Surtout qui peine à un couple qui vit sans problème. Et là, il y a un problème que ça peut l'aggraver, que peut-être pas jusqu'à temps là, alors là, vous savez, le papa au courant, belle-mère, belle-mère au courant. Ça, c'est quelque chose qui comment dire, peut arriver trop grave, capable de faire la table. Là, mais toutes ces affaires, vous même une petite chose, surtout quand il concerne le péché. Surtout quand il concerne le péché, c'est un peu dans un pays. Cachez le péché, cachez le péché. À ce moment-là, on finit déjà, mon madame, on finit déjà. Et ce maman qui péché mon père, on vient à dire ce maman qui péché mon père, bon, mon père vient de connaître, parce que ce maman vient de connaître. Alors, moi, pasteur, mon père, mon père vient de connaître mon péché, mon madame Petro, qui se mon père vient de connaître son péché. Définitivement, il vous a senti qu'il était gêné. Il vous a senti gêné et il a sa carapousse pour révolter d'une façon. Alors, résoudre le problème. Évite problème, évite empire problème, n'a pas raconté ça du monde. N'a pas raconté ça du monde comme capable de dire résoudre vos problèmes entre vous. Et un autre quelque chose en gros, et ça est quelque chose vraiment important, c'est tout le temps pense bon. Tout le temps donne un bon pensée au monsieur, un bon pensée au haut, le haut madame. Elle ne faudrait pas le tout le temps négatif. Ça, c'est quelque chose dans toutes les choses comme ça. Quand on a l'esprit négatif, on retrouve toutes les choses qui sont très bien. Mais c'est un peu l'esprit là, quand on dresse lui, on le met lui positif, toutes les choses sont sans problème. Alors, quand un monsieur qui pense bon le soir, non, mais capable de lier, non, capable de partir des autres, non, capable, il sait ce qui est mal excuse pour ce madame. Il sait mal. Excuse pour ce madame, même la fille madame là, non, mais mon monsieur c'est dans une danse aussi, il est capable de bloquer dans ma style, il est sauvé dans ma style, il rentre à casa, il mange un petit peu pour lui, il mange beaucoup, il est capable de manger comme son camarade, bah il mange des plats ou des plats et demi, surtout il mange un tel tu même, et ça la volonté à manger dans le délire. Et là, quand on l'esprit au lien dans les camarades, il finit à l'hôtel, quand on pense négatif, il y a même problème. Il y a même problème. Et possible, il fait Michel, c'est que ce n'est pas bien, mais possible aussi qu'il dit, vraiment Michel, pas bien, ou bien il fait penser camarade, ou bien, dans l'innocent, innocent. Et là, non, il qui me dit, il fait, madame, ça fait comment dire comme ça. Ah, qui te demandait, que te demandait, que te demandait, ça va, ils ont juste demandé. Il y a une possibilité, Michel, éclaté, pas éclaté. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de gêne, mais il n'y a pas de gêne. Madame Nassa, j'ai dit, Mansa, tu vois, le délai, aujourd'hui, il gâte la relation entre Michel et madame. Et là, il y a un groupe aussi comme ça, nous témoignons, et madame Michel, il y a un petit esprit, il y a un petit esprit, il y a un esprit malade. Quand il rentre à casa, il y a son madame, il y a des esprits, il y a un esprit bancal comme ça, ça aussi. Mais quand on cause connasse avec le monsieur, on cause connasse avec madame, alors ça, définitivement, il y a un amène problème au lieu de résoudre le problème. Si, je veux dire, vous pouvez même couper, il y a un prêve, vous pouvez gagner. Il y a un qui est basé sur le fait qui prévient, mais il y a quelque chose en dehors qui parcourait, il y a quelque chose qui peut dérouler parcourir. Il y a une autre chose, là il y a une autre situation, mais sans prévue, sans ennui, c'est à cause, ça même quelque chose qui est en dehors là, ou une cause là avec le bichet, ou une mettre le bichet aussi là-dedans, ou une mettre madame aussi là-dedans. Alors définitivement, ça n'est pas
résout le problème, mais il empire le problème. Et comme ça même, ça c'est bien beau, tant en gros, c'est une façon qui va agir comme un intelligent. Pas faire problème, les autres vivent pour problème. Pas faire problème, les autres vivent pour problème. Mais déjà, mon frère, l'ingé à la guerre avec mon madame sur tcha-tcha. Mon frère, l'olari, mon frère, disons, il est vagabond, il est vagabond. Et mon madame sur tcha-tcha, là, elle est notre vagabond aussi. L'olari, ça dirait la guerre. Assez-moi, ouais, ton tcha-tcha là, oui, ton frère là. Assez-moi, ton tcha-tcha, mon frère, ton tcha-tcha là, là, je suis expliqué à la guerre. Et là, ben, là. Arrivez par le visa. Problème des démons, mais mon problème, ça c'est un démon qui ne veut pas agir comme un intelligent. Alors, il ne faudrait pas problème les autres pour faire ça, mais mon problème. Il est capable ou maman, ou papa, ou frère, ou sœur, ou bien n'importe qui s'en là, pas faire problème les autres, viennent pour problème, il n'a pas une façon d'agir comme un intelligent. Et comme ça même, comme il va là. Ben c'est pour vous qui vous avez fait, qui vous apprend, c'est tout le temps mesure gravité problème. Mesure gravité problème. Nous tous nous sommes sains, nous tous nous sommes nous tous nous sommes nous tous nous péché. Si on péché dans certains moments, dans certains péchés, c'est ça que nous avons fait, qui commet certains péchés. Si on, madame, on trouve dans les certains faiblesses, dans certains moments, certains péchés, faudrait pas nous faire ça, madame. Un problème, un péché, un manquement. Madame, les mesures, des kilos, nous mettrons ça pour madame une montagne devant nous. Et qui en vérité, il y a une montagne de bonne qualité dans nous. Et une montagne, une chose qui nous satisfait avec lui. Des kilos, nous ne sommes pas satisfaits. Alors, faudrait pas nous-mêmes, ça, nous nous exigent. Ça, des kilos là, non, il vient de dresser là. Non, il n'y a pas pour gagner la perfection pour moi, comme une cause concernant Michel. N'a pas exigé la perfection. N'a pas exigé la perfection tout le temps quand il y a un problème. Michel, madame, peut vivre, pour il y a un problème. Il n'y a pas pour vivre sans problème, à la mesure où gravité au problème. Alors, pourquoi pas, car il y a un problème fini. La première question qu'il me pose, pour Michel là, capable de vivre en lui et dans certains problèmes, ou bien pas pour qu'on va même vivre en lui. Si il dit maintenant, pas pour qu'on va même vivre en lui, là nous posons une langage. Si il dit maintenant, vous comptez pour Michel là, il pourrait vivre, non, vous ne pouvez pas vivre en lui, capable de vivre en lui, mais c'est maintenant qu'ils ne sont pas satisfaits, là elle est de façon possible. Mais si nous visons tout le temps, mesure, gravité, problème, gravité sont mauvais, quantité sont mauvais, comment on peut aller avec cette idée? Ce bon qui est là dans lui, on pense ça, avec ce bon qui est là dans lui, là, ça pourrait nous pour un bon système. Ça pourrait nous pour prendre un bon système si nous l'hygiène braquer, nous ça des kilos mauvais là, et nous pas nous retrouvons ça, un montagne bon là, nous pouvons mal comprendre, nous n'avons pas pour un système qui sert. Et elle serait important. Quand il finit un problème, à ce dire qu'il va nous une cause et qu'en vérité, l'utilisateur pense au là depuis bien avant, pour qu'il n'a pas un problème. Pour lui, le problème, c'est qu'il était aux enfants. Combien de monde, quand elle séparé à ce dire, il y a plein de solutions à ce dire. À ce dire, pour être dans la même, pour être dans la séparation même, à ce dire, qu'il veut dire. Oui, les enfants, à ce dire qu'il veut dire enfants. Quand tu fais te marier, même avant qu'un enfant même, vive avec vous, Michel, avec une intention qui est dit. Mon amour, les enfants, ça, Michel, là. Vive avec vous, madame, d'une façon qui est dit. Mon sang, maman, mes enfants, ça. Alors, une bonne façon, importante, comment pour résoudre le problème, comment pour éviter le problème, comment pour éviter empire le problème, qu'est-ce que vous, Michel, comme papa aux enfants, qu'est-ce que madame, comme qui est dit, maman aux enfants. Pas quand c'est un peu le cassé, vous connaissez combien de problèmes il y a dans la vie, il y a séparation, le. Michel, il quitte ses enfants, et il prend ses enfants, il pose avec ses enfants, l'eau la rit,
ou bien pas une petite chose qui lit compte ses enfants, même bien pour ses enfants, même petit peu dans son éducation, dans la façon qu'il évolue, il grandit, ses enfants à subir. Alors, n'a pas d'âne, ses enfants finissent stressés, ses enfants finissent vers la dépression, ses enfants finissent au petit vagabond. À ce terme, il dit oui, mais le bien vit bien trop tard. Si vous voulez, mais déjà, évite sa petite chose-là dans vos relations avec vos monsieur, vos relations avec vos madame, finis par ça dès le commencement, déjà dans vos liens même. Et pas une petite chose encore, c'est pas régler votre problème qui finit bien d'avant. Pas régler votre problème qui finit ensemble. Et déjà, 10 bananes mariage, le premier banane, combien d'années tu gagnes certains problèmes, il résout. Le troisième année, tu gagnes un gros problème, il résout. Le sixième année, tu gagnes un gros problème, il résout. Le dixième année, tu gagnes un problème, il n'a rien. Comme tu me mets le point en bas, le premier année, tu gagnes des problèmes. Le troisième année aussi, tu gagnes des problèmes. Le septième année aussi, tu gagnes des problèmes. Alors là aussi, il n'y a rien de problème. Alors qu'il y a un problème, il est là, il finit résoudre. Donc, dans l'islam, il enseigne nous qui est dit. Attends, il y a un temps, mais comment l'Adam, ben là, celui qui vient d'en bas, il vient d'un péché. Qui est arrivé, c'est comme s'il n'y a pas. Comme s'il n'y a pas de faire péché là même. Donc, vous dire, un point de façon, pour ne pas empirer la situation. Quand il y a un problème, pose sa problème, la résoudre. N'a pas à le réveiller le problème qui finit mort. Nous tu as tel problème, toi tu dis à ça, toi tu fais ça, toi tu dis à ça, toi tu fais ça. Qui ça peut profiter dans la tour au problème qui vous gagne là, c'est que tu ne peux pas dans rien excepté qu'il y ait un pire ou situation. Donc, de façon pour éviter empire, pour éviter problème, éviter empire problème entre vous et vous monsieur et vous madame, c'est n'a pas de revivre le problème qui finit mort quand vous gagnez un nouveau problème. Et bon, il y a une chose encore, c'est en tant qu'être musulman, on n'est pas capable, mais pour un niveau comme si conseil, ça pas conseil tout ça. Comme si on n'a pas ça des gens qui sont capables de conseiller pour là. Ou un monsieur dans la carte, ou un musulman, ou un musulman. Un musulman. Est-ce qu'en tant que musulman, l'islam il enseigne ou conseille nos frères et sœurs bien? Est-ce que vous pouvez lui conseiller toi en tant qu'un frère? Vous supposez en colère, ou bien non, il peut lui conseiller moi, ou bien en tant qu'un musulman, on disait qu'on accepte tes conseils. En tant qu'un musulman, on disait qu'on accepte tes conseils. Qui est monsieur, qui est madame? Quand vous allez madame, demandez pardon, ne pas faire ça. Conseille-toi. Ou bien, elle madame veut dire ce monsieur, vous comprenez? Pardon, tu fais ça, fais dans la façon là. N'a pas cause comme ça, cause dans sa façon là, n'a pas cause agir dans la façon là, agir de deux façons. Un monsieur peut conseiller sur madame, elle madame peut conseiller sur monsieur, voulez pas vous mettre au dire comme si mon madame n'est pas capable de conseiller moi, il n'est pas là au dire pour conseiller moi, ou bien mon monsieur est trop faible pour lui conseiller moi. Non. Qui est monsieur, qui est madame, chacun est là pour conseiller son frère, chacun est là pour conseiller ce ser musulman, de façon évite des problèmes. Si vous mettez au un niveau, comme si vous madame pas capable de conseiller vous, ou monsieur pas capable de conseiller vous, et vous ne pouvez pas finir avec le problème même. Et dernier point, quoi aujourd'hui, monsieur et madame, vous m'aidez, n'a pas cherché recours à mensonge. N'a pas cherché recours à mensonge, ça n'est pas pour résoudre le problème, il est ouvert, il est pire problème. Si, pour un certain moment, il résout un petit problème, après des fois par année, il est capable de venir guérir. Vous voyez comme un tsunami pour résoudre un gros problème. Alors, quand il y a une chose, dis-le clairement. Oui, il arrive ça, non, pas arrive ça, oui, il est comme ça, non, il n'est pas comme ça, quand il y a un gros crié, oui, il résout. Mais quand on peut éviter un gros crié, ou la cause d'un menti, quand Michel est alcool, il n'a pas de réalité, ou bien quand Adana est alcool, il n'a rien de quelque chose, il agit d'une façon que le problème-là, il est
clarté divine, les vies d'impliquant. Donc ça prend ce que vous voulez, votre prévention. C'est votre conseil général. Vous m'y et madame, tout l'aider. Si ça qu'elle prend, ma précaution pareille, quand même, je suis à la soukada, là, ça pourrait éviter le problème, ça pourrait éviter en pire problème. Alors, Inch'Allah, que la Bélia, nous vous n'avez pas d'explication avec ce qu'on a dit pour Al, avec ce qu'on a dit et avec ce des sessions qui peuvent suivre. C'est pour qu'elle monsieur personnellement bien faire et c'est pour qu'elle madame personnellement dit. Si je vais vivre à la communion, okay, mais ce n'est pas ni pas les problèmes d'avenir, d'éviter plutôt éviter. Alors, déjà, plutôt éviter, pas vivre ensemble, d'élever avec qui vivre ensemble, vivre loin pour respirer. Vivre loin pour respirer, mais vivre ensemble pour qu'un problème respirable. Alors, bien évidemment, bien vous dire, vivre loin pour respirer, mais déjà, chacun séparé, chacun sur la cuisine. Quand il y a vivre, ça là, avec le temps, on ne sait pas, non. Il y a même la route, il y a même la case, il y a même bâtiment, et vivre séparé pour vivre bien. Pas ensemble pour vivre avec le problème. Et quand j'ai une belle façon pour éviter le problème, éviter de vivre en pire problème, c'est Michel, madame, vivre séparément de vos biens et le bien. Ça, et je te pour éviter certainement. Oh, encore, il y a quand même, madame. Je suis là. Même si mon belle-mère est encore son belle-mère. Même si on va aller plus avant.